Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau rendez-vous de votre émission Femmes Actuelles, cette plateforme qui met en valeur le savoir-faire de la femme africaine et la femme gabonaise en particulier. La peinture corporelle, body painting en anglais, est donc une des premières formes d'expression plastique pratiquées par l'humanité. Et aujourd'hui, elle est toujours présente et même dans nos cultures africaines. Elle connaît une renaissance sous une forme modernisée. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, notre invitée est donc une spécialiste dans le domaine. Elle va nous faire découvrir, c'est juste après cette transition. Alors, elle se qualifie comme celle-là qui a pour mission de répandre la joie, la gaieté, l'amour à travers son art. Comment démarre cette passion? Elle va nous l'expliquer, mais avant, elle va se présenter. Et merci déjà de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors, je m'appelle Grace Bidigui Makaya. Je suis gabonaise, j'ai 28 ans. J'ai fait mes études au Maroc, où j'ai obtenu un master 2 en finance. Mais ce n'est pas du tout ce que je fais dans la vie. Je suis maquilleuse, directeur artistique et une passionnée de photos, je vais dire ça comme ça. Alors, le body painting. Le body painting, c'est pour moi un moyen d'expression que je dissocie très bien du maquillage classique. Le maquillage classique, c'est mon travail, c'est ce que je fais pour, enfin, c'est ce que je fais pour vivre, ok. Mais le body painting, c'est ce que je fais pour m'exprimer, pour faire passer un certain nombre de messages à ma communauté sur Internet. Alors, le body painting est né, on va dire que j'ai commencé à le pratiquer il y a environ 3 ans, à la suite d'un mental breakdown. J'étais vraiment au bout de ma vie, comme on dit. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin qu'on me rassure sur ce qu'était ma vie, sur ce qu'était mon but dans cette vie. Et je me suis adressée à la seule personne qui avait les réponses. Je me suis adressée à Dieu. Et il m'a en quelque sorte rappelé le don qu'il avait mis en moi et ce à quoi il devait servir. Et du coup, mon visage a été tout à coup très petit pour recevoir tout ce qu'il y avait comme information dans mes mains. Donc, j'ai commencé à maquiller mon cou, j'ai commencé à maquiller mon buste. Et puis, chemin faisant, j'ai commencé à maquiller le corps d'autres personnes, bien évidemment, parce que je ne pouvais pas tout faire sur moi. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Il y a une photo de vous hein, qu'on a découverte et que les téléspectateurs vont d'ailleurs découvrir. C'est un assemblage de tout ce qui existe. On a d'un côté le soleil, on a la lune, on a même la mer. Est-ce que y a-t-il un mystère caché derrière cette belle image? On va dire que cette image, c'est une image qui... on va dire qu'il représente ma nouvelle naissance. J'étais, comme je vous ai dit, très mal dans ma peau à la fin de mes études. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas quoi faire, tout simplement. Je voyais ma carrière de maquilleuse évoluer péniblement. Je n'étais pas du tout satisfaite de comment les choses allaient. Et après avoir prié, mais vraiment de tout mon cœur, et je vais dire pour la première fois de ma vie, J'ai reçu cette réponse. Et en gros, cette réponse, c'était d'être le calme dans la tempête, de savoir que Dieu, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre ce qui est noir et ce qui est blanc. C'est l'équilibre entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est le juste milieu. C'est la paix. C'est le calme. Et c'est tout ce qui me manquait. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et... Quand j'ai reçu cette réponse, elle était tellement ce que j'attendais qu'il fallait que je la partage. Il fallait surtout d'abord, avant de la partager, que je la mémorise. Et c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un moyen d'expression pour moi. Du coup, j'ai utilisé ce que je savais faire pour me rappeler d'un message qui était primordial pour moi, qui était important pour moi. Donc, j'ai dessiné
ce calme, cette sérénité, ce juste milieu, cet équilibre pour m'en rappeler, mais aussi pour partager ça avec quelqu'un qui pouvait se sentir aussi mal que je me sentais à l'époque et dire que le juste milieu est difficile à trouver parce que c'est le paradis. Le paradis, c'est un juste milieu. Et donc, c'est l'une de vos premières réalisations. C'est l'une de mes premières réalisations. C'est là où je me suis, où Dieu m'a révélé à qui j'étais vraiment. La peinture corporelle d'aujourd'hui est telle que de nouveau pratiquée hein, dans les sociétés occidentales. Elle a donc un but surtout ludique, car son caractère spectaculaire en a fait une activité événementielle très prisée. On le voit déjà dans des festivals tels que celui du Brésil ou de Londres. Vous, lorsque vous réalisez vos body paintings, c'est souvent à quelle occasion? Alors, en général, les body paintings que je réalise sur moi, j'en ai pas fait beaucoup sur des clients parce que, comme je vous l'expliquais, c'est un moyen d'expression. C'est pas quelque chose que je peux faire sur commande. Enfin, je peux faire ça sur commande, mais je ne le fais pas. Pour moi, c'est quelque chose de sacré, je vais dire ça comme ça. C'est quelque chose de particulier. Du coup, je le fais que quand je suis inspirée à le faire, mais vraiment inspirée à le faire. Après, j'ai essayé de le faire sur des clients. Vous pourrez voir des photos. Je l'ai fait pour une dame, pour ses 40 ans, etc., etc. Sur moi, je ne le fais, mais vraiment que quand j'ai un message que je veux faire passer, qui me tient vraiment à cœur, et puis c'est tout. Justement, parlons de toutes les réalisations que vous avez pu faire jusqu'à présent. Quels sont les messages qui reviennent de façon générale? Les messages qui reviennent en général, c'est des messages de paix, c'est des messages d'amour, c'est des messages d'acceptation de soi. En général, c'est des messages à connotation très spirituelle, mais vraiment très spirituelle. Ce qui est un peu marrant, parce que je suis connue pour être maquilleuse, donc pour être focalisée sur les paillettes. Et pas forcément sur des choses comme la spiritualité. Mais comme je l'ai dit, ça vient du fond de mon cœur, en fait. Que je le veuille ou pas, à la limite, ça s'exprime au-dedans de moi. Et ça veut sortir et je n'ai pas le choix que de le faire sortir. Du coup, même si ce n'est pas des messages qui sont souvent très bien reçus, même si c'est des messages qui peuvent paraître un peu tabous, c'est des messages qui sont nécessaires. C'est des messages qui sont importants et je veux utiliser la plateforme qui est ma vie pour faire passer ce genre de message. Que quand je ne serai plus là, que ces œuvres continuent de parler pour moi, qu'elles continuent de faire passer un message d'amour, qu'elles continuent de rappeler à la femme africaine, parce que c'est pour elle que je travaille, c'est pour elle que j'ai reçu ce don, qu'elles continuent de rappeler à la femme africaine la part de divinité qu'il y a en elle, la beauté spectaculaire qu'il y a en elle. Donc vous ne trouvez satisfaction qu'après avoir extériorisé justement ce que exactement. Vous ressentez. Alors est-ce que l'on peut qualifier des scarifications, des tatouages comme étant du body painting quand même? Tout dépend de la signification, on va dire, qu'on donne à ce qu'on se fait tatouer ou peindre sur le corps. Le body painting, en fait, le body painting n'a pas de préférence, enfin, ça n'a pas de connotation précise, c'est une technique. Vous voyez, une technique qui peut être bien utilisée, mal utilisée, mais vraiment qu'on peut tirer dans tous les sens. C'est comme de l'eau, on peut faire ce qu'on veut avec de l'eau, en fait. On peut faire plein de choses différentes. Donc, je pense qu'un tatouage peut être considéré comme du body painting. C'est une peinture permanente, mais c'est une peinture quand même. Des scarifications également que l'on retrouve très souvent dans nos traditions. Dans nos traditions, exactement. Mais du body painting, que ce soit en peinture, comment ça s'appelle, temporaire ou permanente, dans nos cultures, on en retrouve. Et vraiment beaucoup, comme vous l'avez dit, certaines avec, la plupart même, avec beaucoup de signification. Parce qu'il faut dire que l'art, chez l'homme noir, l'art est quelque chose de spirituel avant tout. C'est vraiment un moyen de connecter le divin et l'humain. C'est un portail, mais vraiment un portail puissant. Et ça, les femmes l'avaient déjà compris à l'époque. Je pense que si on fait des recherches et qu'on éduque la jeune femme gabonaise dans ce sens, on va découvrir que
beaucoup de ce qu'on voit dans nos musées ou dans nos cérémonies où il y a des danses traditionnelles, etc., etc. C'est beaucoup de messages cachés qui sont là devant nous, mais dont on ne sait rien au film. Comme pour dire, rien n'est secret, tout se transforme. Effectivement, au Gabon, on utilise justement, parlons de nos traditions africaines, hein, on utilise très souvent les racines du padouk, on utilise également du kaolin blanc, fréquemment utilisé dans nos rites. Vous, lorsque vous êtes emmené peut-être à réaliser du body painting, extérioriser justement ce que vous avez reçu, on va dire ça comme ça, vous utilisez quelle matière? Est-ce que c'est les matières de tous les jours, modernes, du fond de teint moderne, ou alors c'est ces produits? Alors, c'est un mélange, on va dire que c'est un mélange du maquillage classique. Et puis, il y a un type de maquillage qui est fait expressément pour le body painting que j'utilise, que je n'achète pas au Gabon, que j'achète à l'étranger. J'aurais bien aimé pouvoir utiliser des matériaux locaux, on va dire des produits locaux pour faire ce genre de maquillage, mais disons qu'il y a un petit manque du matériel adapté, parce qu'il faut dire que le kaolin, ça donne un certain rendu, ça donne une certaine texture, que je enfin, comment dire. Peut-être que vous n'appréciez pas. Pas que je n'apprécie pas. Vous n'êtes pas satisfaite du rendu. Voilà, on va dire que je n'ai pas encore appris à travailler avec. Et puis, il faut dire que quand j'ai commencé le body painting, je n'étais pas au Gabon. Donc, j'ai fait avec les moyens de bord, j'ai fait avec ce qui était autour de moi et j'ai juste continué dans cette lancée. Mais j'avoue que mettre un peu de kaolin là-dedans, chercher un peu comment est-ce que nos mamans, nos ancêtres faisaient avant pour réaliser ce type de body painting sur eux et tout, ça pourrait être très enrichissant et très intéressant. Après, on vous avait déjà vu à l'œuvre, hein, à l'occasion de la première édition du Festival culturel Gabon Neuf Provence. Donc, vous avez réalisé un joli body painting, mais made in Gabon. Avec... Là, j'avais utilisé du kaolin. Mais voilà, donc c'était très, très joli, il faut le dire. Chers téléspectateurs, c'est donc un exemple. Hein, voilà. C'est à croire que la jeunesse tend vers la prise de conscience, malgré tout ce que l'on peut déplorer en termes de comportement déviant. Mais il y a une certaine partie de cette jeunesse gabonaise très consciente et qui a décidé comme ça de se rapprocher, de repartir vers l'essentiel et de se rapprocher de la spiritualité, notamment Dieu. Alors, on va vous demander, hein, parce que c'est de tradition dans cette émission, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent au niveau du Gabon et hors du Gabon, qui ont du talent, qui ont du potentiel et qui hésitent. Que pouvez-vous dire à ces femmes-là? Déjà avant, on veut avoir votre point de vue sur l'image que vous avez de la femme gabonaise actuelle. Étant une femme gabonaise, je vais dire que on est bien loin du cliché de la femme gabonaise qui ne se débrouille pas, qui est superficielle, etc. Je pense que la réalité est bien au-delà de tout ça. Je pense que la femme gabonaise est une femme battante. On peut le voir, on peut le sentir. Vous êtes là devant moi, c'est magnifique. Je pense que maintenant, plus que jamais, la femme gabonaise est instruite. Elle s'exprime, elle travaille, elle est inspirante, elle est fascinante. Franchement, c'est ma personne préférée au monde, la femme gabonaise. Maintenant, il est clair qu'il y a encore une catégorie de femmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui hésitent à se reconnaître en tant que femme d'abord, surtout en tant que femme gabonaise. Être une femme gabonaise, c'est une responsabilité énorme. Mais ça, pour comprendre ça, il faut déjà comprendre qui on est, il faut comprendre ce qu'on vaut, il faut savoir ce qu'on veut, il faut surtout être sûr de ce qu'on mérite. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, de s'accepter, de se voir tel qu'on est vraiment. Ça demande beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. C'est un voyage qui nécessite beaucoup de... mais vraiment beaucoup de courage, mais au bout duquel on trouve que du bonheur. Donc à toutes les femmes gabonaises qui me regardent, faites le pari de croire en vous-même. Faites le pari de croire en ce que vous représentez. Faites le pari de croire en ce que Dieu veut pour vous.
Je pense que l'Afrique en ce moment est en train de vivre une ère spectaculaire. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Le monde entier a les yeux rivés sur la femme africaine. Et je pense qu'on a tout à offrir. On a vraiment tout à offrir, à condition de savoir ce qu'on a à offrir, à condition de ne pas bafouer ce qu'on a à offrir. Je ne dis pas non au christianisme, à la religion, au fait que le monde soit devenu un village planétaire, au fait que les réseaux sociaux fassent partie intégrante de nos vies. Je ne dis pas non à l'ouverture, au mondialisme. Je dis juste oui à l'essence de qui nous sommes, genre à la base, à qui nous sommes avant tout le reste. Et ça, je pense que c'est une école à laquelle toutes les femmes devraient se donner le devoir d'aller, le devoir de savoir qui on est, les femmes qui ont été avant nous, qu'est-ce qu'elles ont espéré pour nous. Elles ont travaillé dur pour qu'on soit les femmes que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont rêvé pour nous? De quoi nous on rêve pour nos propres enfants? Quel genre d'Afrique on a envie de laisser à nos enfants? Quel genre d'image de la femme gabonaise on a envie de laisser à nos filles, à nos nièces? Ça, c'est des choses auxquelles on doit penser maintenant. Ça va donner une direction bien précise à nos vies et ça va surtout donner un très bon exemple à suivre aux générations futures. La femme gabonaise doit s'assumer en tant que femme africaine, noire, belle, intelligente et spirituelle. C'est important. C'est important. Le fond de teint, c'est bien les artifices, mais c'est surtout très, très important d'avoir une idée claire et nette de qui on est pour mieux affronter le monde, tout simplement. On espère que le message est passé. Chers téléspectateurs, c'est le moment de joindre l'utile à l'agréable. Ce que cette jeune Gabonaise réalise avec ses mains, c'est tout de suite, regardons. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme cette émission de Femmes Actuelles. Je rappelle également que j'ai été sublimée par les mains de Grace Biligui Makaya, directrice artistique spécialiste dans le body painting que nous avons eu le plaisir et l'honneur de vous partager et de vous présenter. Nous, on vous dit à très vite sur Gabon 24.